Salut, c'est MM Simulator, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo spéciale. Donc aujourd'hui c'est vraiment une vidéo très très spéciale. Donc c'est une vidéo où aujourd'hui on va voler en drone. Je viens de m'acheter un petit drone sympa, pas très cher, et qui envoie du fion quoi au final. Donc je suis vraiment très content de l'avoir acheté. Donc je vais déjà vous mettre un peu l'eau à la bouche avant de faire la suite. Regardez, juste là, tac. Donc il n'est pas très gros, il a une caméra, il a tout ce qu'il faut. Donc vraiment pas très cher, pour moins 100 euros. Moi, je l'ai acheté en vente flash sur Amazon, donc c'est un peu normal. Il est en remise, donc voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Dites-moi si vous voulez peut-être voir un peu plus de vidéos drones ou des trucs du genre. Je vais peut-être pas en faire tout le temps, mais là pour l'instant on va voler un petit peu avec, on va essayer et voir ce que ça donne. J'ai pas beaucoup parce que j'ai qu'une batterie, donc ça va charger. Je devrais avoir pour 10 minutes de vol, je l'ai pas encore essayé et c'est vraiment mon tout premier essai en drone. Donc à tout de suite. Re les amis, donc on se retrouve pour le pilotage du drone. Donc voilà la manette, voilà le drone, donc il est par terre. Donc là j'ai deux caméras, j'ai la caméra du harnais, la caméra du... Hop, et on a même le petit écran si on veut, tac, avec la caméra du drone. Donc on voit... Mais comment ça, t'as plus de batterie? C'est quoi ces conneries? Donc hop, on va activer le drone. Non. Ouais. Donc. Ouais, j'ai jamais piloté encore. Ouais. Bon. Ouais. What? Pourquoi le drone? What? Qu'est-ce qui se passe? Ah, en fait, je me suis trompé de truc. Hein? Donc là... Hop. Ah ouais, c'est vraiment... tactique. Donc enregistrer une petite vidéo. Et on va essayer. Ouais. Donc il est vraiment assez bien. Par contre, je sais pas comment on pivote. Ah, comme ça. Merde, faut. Par contre, j'espère que la vidéo est pas trop mal. Attendez, on va essayer de grimper un peu. Donc c'est vrai que ça se pilote plutôt simplement, je trouve. Hop. Par contre. Il y a peut-être un peu de vent qui joue aussi. Il avance plutôt vite hein, quand même. Mais donc il est plutôt stabilisé. Ah
Donc j'essaye de voler un peu avec, hein. Franchement, c'est vraiment, il est vraiment très très bien. Donc on va essayer de le faire atterrir. Je le fais pas voler très haut au cas où j'ai des problèmes avec. Parce que j'ai pas vraiment envie d'avoir de problème avec qui que ce soit. Donc là on me voit, c'est cool. C'est vraiment super sympa, hein. Sincèrement, il est cool. Tac. Donc là, franchement, je vous filme peut-être n'importe quoi, mais... Juste, je l'essaye parce qu'au final, je ne l'ai pas encore essayé. Je crois qu'il doit... Non. Voilà. Donc, attendez, je crois que j'ai une caméra qui a plus de batterie. Ouais. Pourquoi elle s'est éteinte? Bah, j'ai... Attends, mais elle avait 100% tout à l'heure. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas la plus utile. Hop. Excusez-moi si je passe mes doigts devant parce que là en gros j'ai le harnais et il y a la caméra dessus. Donc on va arrêter la vidéo de l'autre côté. Tac. Donc il me reste encore 1h14 de film. Comme vous pouvez le voir. Aïe, putain, la caméra. Ah, ça va, c'est le petit machin en plastoc qui prend. Il n'y a qu'à pris, c'est pas grave. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est posé. Et donc pour redémarrer, il faut vraiment... refaire le start et après donc regardez, il est vraiment très simple de manipulation, c'est super cool, vraiment très très simple. Donc on peut aller jusqu'à 200 mètres normalement. Ben, ah, je crois que j'ai plus du tout de batterie. Non? Ouais. Je crois que la batterie est morte. Donc, on va essayer de... Parce que je pense que le... On va essayer d'enlever la caméra, la désactiver, et de réactiver... Non, le drone doit plus avoir de batterie, je pense. Le drone doit être capote. Non? Donc les amis, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc on va se faire encore le vol du drone parce que j'ai estimé que 10 minutes pour le vol d'un drone, c'est pas énorme. Donc on va essayer de s'en refaire un. La batterie est chargée à bloc ou presque. Hop, on est parti. Non, beaucoup. Pas vers moi, s'il te plaît, merci. Allez, hop. Non. Hop. C'est pas évident de manœuvrer, mais c'est plutôt simple. Salut les gars.
Donc c'est vraiment très sympa de pouvoir utiliser le drone. Bon, après je fais un peu attention parce que j'ai pas envie qu'on me le ship, parce que normalement il y a des réglementations quand même. Hop. J'essaye d'apprendre surtout à le contrôler. Donc c'est pas évident non plus. Essayer de voir jusqu'où il peut monter. Ah, il peut pas monter plus haut, je crois. Bon, il fait déjà pas mal, hein. Regarde-moi cette vue. Hop, on va redescendre un peu. Là en plus c'est vraiment super, le temps est vraiment génial. Hop. Super génial. Donc voilà. Wouhou. Bon, je vais pas vous donner mal à la tête. Je vais vous mettre quelques plans sympas. Et puis voilà, on va se retrouver. On se retrouvera certainement dans une prochaine vidéo. Et voilà. Moi je vous dis à la prochaine. C'était MM Simulator. C'était MM Simulator. Ciao ciao.